Depuis 2019, le comité départemental olympique et sportif de Côte d'Or propose le label Valide Handicapé. Il s'adresse à tous les clubs sportifs souhaitant accueillir ou accueillant déjà des publics en situation de handicap. Alors l'intérêt d'avoir été labellisé par le BDOS, c'est de montrer que handicapés et valides peuvent pratiquer un sport ensemble. Tout simplement, c'est le BDOS qui nous a proposé de remplir le formulaire d'auto-évaluation. Et ensuite, en fonction de ça, des personnes sont venues visiter notre local et puis prendre des renseignements sur l'association. Si toutefois l'avis est défavorable, le BDOS s'engage à accompagner le club afin d'améliorer certains critères de labellisation. Et il se retrouve dans un cadre un peu particulier, on est dans un dojo, on a tous la même tenue. Là, c'est vraiment un cadre favorable pour eux et pour leur développement. Donc le fait d'avoir du contact avec les autres, ça les aide beaucoup dans le quotidien. En fait. Sur les premières séances, c'était salut normal. Alors, non, il y a le système du check, voilà, et puis ça se voit tout de suite sur leur visage. Valable 2 à 4 ans, les clubs labellisés bénéficient d'un suivi et du soutien des partenaires du dispositif. Le label permet également d'être référencé comme club para-accueillant. Une vraie volonté de structuration, petit à petit, l'équipe s'étoffe, se structure, s'organise et c'est une vraie stratégie du club. Le label, ça s'est vraiment fait de façon tout à fait naturelle, parce que pour nous, c'est notre façon aussi de structurer, d'organiser. Ça s'inscrirait complètement dans notre démarche. Pour une pratique sportive partagée, labellisez vos clubs.